Aujourd'hui, on va jouer à un jeu d'horreur. Et quoi de mieux quand on regarde une vidéo d'un youtubeur jouant à un jeu d'horreur, c'est de voir le youtubeur flipper. Wesh le Wolf Crew, c'est Snowwolf. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur un jeu d'horreur, Final Nights 2, s'inspirant de l'univers de Five Nights at Freddy's. Et puis, je pense qu'on va appuyer sur ce bouton play. Hein. Alors, je m'excuse dès le début pour la qualité dégueulasse potentielle. Je suis pas sur un bon PC gaming et tout. Donc, on peut comprendre, surtout par un jeu qui tourne sur Unreal Engine. C'est parti. 1992. Fredbear and Friends vient juste de brûler. Wow, this place sure burned down fast. Ouais, c'est What vraiment happened to those dégueulasse la masks? qualité. I can't hear you. Hang on, I'll come over. What the Je peux pas hell? t'entendre. Attends, j'arrive. Hey guys, I found something. Hey, les gars, j'ai trouvé quelque chose. Voilà. 50 plus tôt, 1987. Et je vous traduis un peu. Voilà. Je suis sympa. Je. Voilà. Alors ça, j'ai pas compris. Merde. Quel costume je devrais prendre? Alors écoutez, ça se passe en 87, on est censé jouer le meurtrier. Parce que je connais un peu d'histoire. Je pense qu'on va prendre Spring Bonnie. Connaissant un peu d'histoire, je sais qui. Quel déguisement il est-il. Lui, hein. Le stress monte un peu. Parce que je vais jouer au jeu d'horreur. Alors là, on voit Foxy. Hello, me? Où est Freddy? It's been a while. Oh, am I kidding? Hey, listen up. You are now hearing your own voice, and every week I get some form of amnesia attack and remember fairly little of what happened. So I'm recording this message on the seventh day of the week so I can inform you what's going on. Ok, je sais pas ce qu'il fout Foxy, mais il part. Diner burned down, and Fazbear Entertainment has forced you to take the burnt stoves Et là, home for repair. Freddy. Now, as you know, something has always been clearly wrong with them, but now they're after you. And by that, I also mean me, I guess. As you might have seen, I installed a few security monitors. Here you can track the animatronic's movements. Foxy will come through the hall. He's never been all that stable when it comes to bright lights, so when he's close, refrain from using the flashlight and just shut the door on him. Freddy always seems to use the left vent. Lock it when he's near the end. Vents unlock automatically after a few seconds. Oh, and don't forget about the puppet. He will stumble out of his little shaft on the left. Just flash your light at him and he'll cower in fear. Well, good luck and don't die on me yet. Ok, bon. Qu'est-ce que j'ai entendu hein? Oula. Alors, je résume un peu ce qu'il a dit. On est un employé chez Fredbear Family Diner et l'entreprise nous a chargé de, comment on dit, de réparer les animatroniques et du coup de les garder chez nous. Problème, c'est qu'on s'est toujours douté qu'il y avait quelque chose de louche avec ceci. Enfin, avec les animatroniques, quoi. Et résultat... Oh merde, je crois que je sais qu'il y a Foxy qui est censé venir. Ah non, c'est bon, il arrive. Et résultat, bah, on se retrouve avec les animatroniques à nos trousses. Donc, la pupette, il faut l'éclairer. C'est ce qu'on vient d'éclairer. Freddy va venir dans les ventilations et Foxy vient à la porte. Il ne faut surtout pas l'éclairer. Il faut fermer la porte à son nez. On attend la respiration. Voilà. Putain, j'étais en train de flipper, je me suis dit merde, j'ai fermé trop tôt ou quoi? Attendez. Non, c'est là. Oh, je gère plutôt bien pour une première nuit. Enfin, c'est pas la première fois que je joue au jeu, c'est pas la première fois que je vois un let's play du jeu. J'ai vu un let's play par un anglais. Du coup, je connais à peu près les contrôles. Et je sais que c'est les contrôles anglaises, mais j'arrive à gérer.
pense qu'il y aura beaucoup de moments de blanc dans cette vidéo, tout simplement parce qu'il faut se concentrer. Tiens. Bouh. Voilà. Hop, ça c'est qui? C'est Freddy? Ok, c'est Freddy. Aussi, il est où? Il est où, Foxy? Oh, c'est quoi ça? Oh oui, non, c'est vrai, ça le fait. Alors, la musique, ça signifie rien si vous avez éloigné la pupette. Sinon, vous verrez la pupette ici. Et ça vous fera le jumpscare de la pupette, puisque tout simplement, vous aurez échoué. Je me tais. J'attends. Ok, Freddy va arriver. Voilà. Attention. Attention. Il y a aussi Foxy qui va arriver. Ça, c'était Foxy. Enfin, je crois. C'était quoi ça? Ok, c'était juste un bug graphique. Ok. Mais j'ai entendu la pupette, c'est pas bon ça! Ça devrait être bon. Ok, c'est bon. Elle n'était pas encore partie. 4 heures du mat, on devrait le faire. Freddy qui arrive. Non, non, je sais pas ce qu'il fait. Aucune idée, il doit aller par là, mais je sais pas pourquoi. Foxy qui est reparti. Des fois ils font leur vie. Ah bah non, c'est par là qu'il est, Freddy. Et Foxy qui doit être par là. Aucune idée. Attends-toi. Normalement, on devrait arriver à la fin, là. Fin de la nuit. Il est 5 h. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc. Non? Tu veux pas? Boum! Première nuit complétée. On peut dire que j'ai géré, bah ouais. Bref. Plus de sérieux, on écoute la cinématique. Hey gamin, c'est moi, Bonnie. Bonnie, où est-ce que t'étais? Allez, ouais, bon, bref. En gros, il est en train d'attirer un enfant dans son piège. Bon, on fait la nuit 2, puis après, je pense que je vais arrêter. Ouais, salut. There we go. Okay, it seems you've made it to night 2. I'm a bit busy at the moment, but as far as I remember, night 2 is about the same as before, only they seem slightly more aggressive. Ah, bah merci. So, keep it up and you'll be good, alright? En gros, les animatroniques sont un peu plus agressifs dans la nuit 2, c'est tout. Il n'y a pas de nouveau pour l'instant, vous verrez que ça viendra après. Hop, ça c'était Foxy. Putain, j'ai failli appuyer sur espace, c'est pour la... Pour ceux qui savent pas, mais espace c'est pour la flashlight, enfin la lampe torche. Allez, respire. Voilà. Voilà. Tac, tu rentreras pas.
Soxic arrive. Rendors-toi. Merci. Ça c'était Foxy, il va mettre quelques temps à respirer. Donc, je vous avoue, j'ai déjà joué ce jeu, mais je suis jamais allé jusqu'à la fin de la nuit 2. Allez, pousse. Ok, Freddy qui arrive. C'est moi ou c'est Foxy qui arrive aussi? Foxy il arrive aussi. Attention, attention. Tac. Il est que 2h du matin. Bon, ça c'était la... Merde. Vite. C'est pas que ça avait marché, et la dernière fois ça avait marché. Oh oh, je vois pas Foxy repartir. Psst. Ah si, c'est bon, il est là. Encore cette musique. 3h du mat. Pas encore l'heure. Ça c'était Foxy. À force, faut connaître les sons parce que sinon vous êtes mort quoi, vous êtes foutu. Putain, non. Non, pas maintenant. Je sais que je vais me prendre un jumpscare de Foxy. C'est quoi ça? Ah bah non, j'avais repoussé Foxy. J'ai aucune idée. Le jeu est glitché, on est d'accord. C'est... Voilà. Voilà, ça c'est Foxy. J'ai entendu la pupette. On est foutu. C'est la fin, game over là. Foxy. Si pour exil ne répond plus, c'est ça? Non. Non. Ne sois pas là. Putain, elle est là. Vous voyez ça, là? Vous voyez ça? Ça veut dire que je vais me prendre un gros jumpscare, sa mère. Putain. Première fois que je flippe sur ce jeu, je vous promets. Non. J'étais à ça de finir la nuit, je suis sûr qu'il était 5h du mat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi je me suis éclaté à faire cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert. Mais non, c'est un pouce bleu maintenant. Bon, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu, si ce jeu vous fait flipper, si il vous fait pas flipper, si vous aimez bien ce jeu, si vous avez déjà vu des let's play de ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès que je sors une vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.